Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve pour un nouveau let's play sur Marvel Midnight Suns. Ce sera le 10e. Et on va reprendre là où on en était avec la fête d'anniversaire. On va aussi faire les activités comme d'habitude, les entraînements, améliorer les cartes, aller décrypter les noyaux et compagnie. Alors, on va commencer par regarder dans Superlink nos messages. Donc, on a un message de Nico. Alors, comment est-ce qu'on va? Là, pour la fête d'anniversaire. Alors, Hunter, merci de m'avoir aidé pour la fête de Magic. Tu devrais commencer par aller voir Robbie. Il est attentionné, il trouvera le bon cadeau à offrir au nom de l'équipe. Donc, on va parler à Robbie. C'est notre mission. Alors, salut Hunter. Les autres Emo sont tous dispo pour l'assemblée. Tu veux venir? Je peux te retrouver devant ta chambre la prochaine fois qu'ils sont tous dispo. Ok, ça on peut dire. C'est quand tu veux. Alors, Hunter, tu es là. C'est Nico, au fait. Je ne sais pas si quelqu'un t'a expliqué comment fonctionnait l'application Spark. Ok. Ça, c'était déjà il y a 6 jours, de toute façon. Donc, alors, on va vérifier encore dans Superlink les autres messages. Spider-Man à l'instant. Alors, voyons voir. Je voudrais vous remercier d'être aussi compréhensif concernant cette histoire d'identité secrète. En une journée, le nombre de personnes au courant a plus que doublé. Et je ne réalise pas encore. Alors, voyons voir le détail. Donc on va lire tout ça, t'inquiète, ça fait partie de notre boulot. Et si jamais l'information fuite, il est encore possible de faire marche arrière si tu me demandes gentiment. Oui, et comment? Tu peux effacer la mémoire des gens? Tu as cru qu'on était dans un film de science-fiction ou quoi? Non, j'ai un bâton magique capable de réécrire la réalité. Je te demande pardon. Mais lance-toile, c'est de la gnognole à côté. Gnognote. Arrête, tes lance-toiles sont déments. Pourra me montrer comment tu les fabriques. Tu pourras me montrer comment tu les fabriques, avec plaisir. Pas encore, Nania. Bon, je sais pas à quoi ça sert toutes ces discussions, mais bon, ok, très bien. Alors, on a Nico à l'instant. Les Midnight Suns, il faut qu'on parle de Tony Stark. Il se pavane dans l'abbaye comme s'il était le propriétaire des lieux. Arrête, ça va lui donner des idées. Je ne voulais pas être le premier à me plaindre, mais il a remplacé la machine à café que j'avais apportée par une machine expresso dernier cri. J'ai même l'impression qu'elle est douée d'intelligence. Il a mangé les derniers sachets d'ourson en gélatine et il n'a pas racheté. Ah, je me demande vraiment à quoi ça sert tous ces messages. Ok, je ne sais vraiment pas à quoi ça sert hein, tous ces messages. Bon, ok, très bien. On va aller voir un petit peu tout ce qu'on peut faire. Aussi récupérer les différentes choses. Ne me dis pas de me calmer, Robbie. Les autres sont avec Caretaker en train de préparer leur prochain coup contre Faustus et ils nous mettent à l'écart. Encore une fois. On parle des Avengers quand même. Ce sont des héros. Oh. Et qui a sauvé les fesses de ces héros quand ton pote Spider-Man était pourchassé par un extraterrestre visqueux? Nous. C'est bien vrai, ça. S'ils sont si puissants que ça, pourquoi Strange n'a pas pu nous aider à sauver Wanda? Laissez Doc en dehors de tout ça. Il m'a soigné plus d'une fois depuis que j'ai rejoint les Avengers. Les citrouilles explosives, c'est pas vraiment couvert par les assurances. Il serait même pas capable de changer une roue. Ils s'incrustent chez nous, ils jouent au petit chef, et maintenant, ils osent prendre des décisions qui nous concernent sans rien nous demander. Si vous voulez être les larbins de Monsieur Stark et de Docteur Strange, c'est votre problème. Moi, je vais prendre l'air. On n'arrive plus à respirer ici. Ça chauffe. Bien, alors, on a... Il fallait voir... J'ai une question à te poser. Robbie, pour Robbie, le... on peut se parler en privé? La fête. Bien sûr, allons-y. Nico veut un coup de main pour la fête surprise de Magic. Pas de problème. Elle a besoin de quoi? Elle voudrait que tu lui trouves un cadeau de notre part. Oh, ok, je m'en charge. Ça va être un truc inoubliable. Voilà, qui est fait. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres choses à faire? Ici, apparemment. Nico nous a sorti de bons arguments, mais pour être honnête, je commence à m'habituer à la présence des Avengers dans l'abbaye.
Alors ouais, c'est vrai que Tony me tape parfois sur le système. Mais c'est pas le cas des autres. Bien sûr. Je me pose quand même une question. Laquelle ? Ben, tu crois qu'ils pensent quoi de nous, eux ? Pourquoi ne pas leur poser la question ? Quand on affronte un démon, il faut viser le cœur. Tu m'apprends rien. Alors pourquoi tu viens me voir, moi, au lieu de leur poser la question ? Tu pourrais au moins lui demander à elle. Je vois absolument pas de quoi tu parles. Tu as de nombreux talents, Daywalker, mais tu ne sais pas mentir. Avoue tes sentiments à l'égard de Carole. Tu te dois bien ça. Quel sentiment ? Je ressens juste de l'admiration et du respect à l'égard de ma coéquipière. T'en passes pour elle. Affronte la vérité comme tu affronterais ton ennemi, Blade. Ton admiration pour elle dépasse largement le champ de bataille. Tu délires, Hunter. Moins un. Depuis que je te connais, c'est la première fois que je lis la peur dans ton regard, Blade. Hors de question de parler de ça avec toi, Hunter. Laisse tomber. Très bien. Oh, et cette conversation n'a jamais eu lieu. C'est noté. Moi, un XP d'amitié, ça c'est pas chouette, mais bon, c'est comme ça. Alors, on va toujours voir un petit peu. Hé, je peux te demander un service ? Une question de style. Magic vous jauge du regard une question sur les lèvres. Dans notre métier, le style a-t-il vraiment une importance ? Pourquoi est-ce qu'on ne porte pas tous des tenues de camouflage ? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Ouf, 46 assistances techniques et j'en ai besoin de ça. Je porterai un sac à patates sur le champ de bataille s'il le fallait. Le style m'importe peu. Oui, on peut très bien briser les crânes. Il nous fallait des assistances techniques pour augmenter Blade, pour pouvoir débloquer des choses au niveau des recherches. Donc on va prendre les essences techniques. Merci, Hunter. Voilà, ça c'est super. Et maintenant, on va pouvoir directement aller s'entraîner, enfin augmenter les cartes de Blade. C'est ce que je vais faire tout de suite. Comme ça, j'aurai les possibilités Hunter. Ça roule ? À la forge pour les recherches. Puisqu'il fallait ça pour débloquer. Donc, il y a encore ici un autre truc. T'as pas besoin de vérifier, Hunter. Je vais bien. Je voulais peut-être prendre l'air, moi aussi. Profite tant que ça dure. Ils vont pas tarder à transformer les lieux en campus Avengers. Oh, que les dieux nous protègent. Écoute, l'abbaye est un peu rustique, mais elle est à nous. Enfin, elle l'était. Jusqu'à ce que ces Avengers débarquent et commencent à nous traiter comme des étrangers dans notre propre maison. C'est pas comme si Caretaker les en empêchait. Non, elle les encourage. Ça me gaffe tellement que je pourrais hurler. Alors on prend la lumière. Les Avengers sont des alliés puissants. Il paraît, ouais. Je n'ai pas fini. Comme toi et les autres, Caretaker a ses raisons pour t'avoir intégré aux Midnight Suns. Tu auras plein d'occasions de faire tes preuves avant la fin de cette guerre. Merci. Je suis pas prêt de m'aligner au rassemblement, mais je vois l'idée. Tu sais, tout ça, ça me dérangerait beaucoup moins s'ils concentraient tous leurs efforts pour trouver Wanda. Personne ne parle d'elle, alors trouver comment on va la sauver. Parce que, en vrai, personne ne prévoit de le faire. Surtout pas Caretaker. Elle est sûrement contente de son départ. Oublie ce que je viens de te dire. Et n'en parle surtout pas à Caretaker. Respecte le code du silence des Midnight Suns. Oh, ça fait du bien de vider son sac. Faudra refaire ça. A plus, Hunter. Alors, plus un en équilibre lumière, ça c'est bien. Ici, on va améliorer la carte de Blade, comme ça on pourra faire les recherches. Donc, améliorer les capacités. Un petit entraînement. On prend Blade. Voilà, il fallait des essences techniques et j'en ai assez Je maintenant. Je crois qu'il y en a pour tous les goûts. Voilà, on l'améliore. Carte améliorée. Alors, on va faire un duel quotidien. Qui est-ce qu'on va prendre cette fois-ci ? Choisir un partenaire. Alors... on prend Doctor Strange aujourd'hui. Sorcier suprême ou non ? Voilà, entraînement terminé. Plus un XP d'entraînement 3 sur 5 jusqu'au niveau suivant. Amitié x 3. Esprit d'équipe, bonus de combat commun. Commencez la mission avec un combo héroïque de votre main. Maintenant, on va aller à la forge. On va pouvoir faire une nouvelle recherche. Ça, c'est bien. C'est parti. On va voir aussi s'il n'y a rien à ramasser. On crée des objets, pas besoin. On va voir s'il n'y a rien qui traîne par terre. Ah, ici.
des crédits, pas beaucoup. Très bien. Ah, j'ai toujours regardé le bouquin ici. Je sais plus si je l'ai fait. Qu'est-ce que c'est ? Alors, on va maintenant faire les analyses. Pourquoi Tony sait parfois se rendre utile ? Alors, cohésion terminée. Nouvelle amélioration disponible pour la course. Stratégie de groupe. Propulser les ennemis sur vos alliés et faire plus de dégâts. Oui, c'est ça. Ok, impec. Alors, on peut faire une nouvelle recherche. C'est la recherche née du sang, puisque maintenant, on a amélioré les capacités de Blade. Je vais voir en niveau 3 ce qu'on doit faire. Terminer 3 missions avec Nico. Donc, ce serait bien de faire une mission avec Nico. Terminer 3 missions avec Iron Man. Et ici, c'est déjà bon. Ok. Donc, il faudra faire une mission avec Nico. Ce serait pas mal. Très bien. Alors, analyse de noyaux. Oh, des noyaux gamma. Mettons-nous au travail. Vous avez automatisé le processus pour me retirer de l'équation. Qu'est-ce que tu en dis ? Voyons voir, qu'est-ce qu'on a ? Fortification, confère contre et blocage de 45. Ça, c'est pas mal. J'en ai qu'une, comme ça je pourrais l'améliorer. Ici, j'en ai déjà deux, j'en ai déjà deux, j'en ai déjà deux. Je vais prendre la fortification. Et la propulsion rapide, c'est intéressant aussi, parce que ce sont des cartes qui permettent de jouer gratuitement, donc je vais la prendre. Voilà. Ça, c'est fait. Les recherches, maintenant. Alors, disponible un jour, né du sang, on va la faire. Récompense, essence vampirique rare, schéma d'objet de combat, et essence vampirique rare, objet de combat. Parfait, on va faire ça. Eh bien, c'est parfait. On n'a plus beaucoup de crédit, il faudrait peut-être essayer de faire une mission de crédit aussi. Au revoir, Hunter. On va essayer d'encore choper des trucs, des crédits et compagnie, on va fouiller un petit peu. Voilà. Il y a encore des gens à qui il faut parler aussi, ça on va faire aussi. Donc ici, ah voilà, on va Caretaker. Ici aussi il faut parler. Donc on va d'abord chercher des essences. Si on voit des trucs qui traînent ou pas. Ah, j'ai rien vu, parfois là-bas derrière parfois. Non, il n'y a pas grand-chose cette fois-ci, et on peut aller voir là. Bonjour, Hunter. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose non plus. Bon. Très bien. Ah, ici peut-être? Non. Ah là, voilà. 4 crédits, c'est pas ça non plus qui va changer ma vie. Alors, on va commencer par parler ici à... Salut, Hunter. Carol Danvers. Allez, c'est parti. Hunter, justement, je voulais vous voir. Bon, honnêtement, je souhaiterais voir n'importe qui en ce moment. Au point où j'en suis, je serais prête à prendre le thé avec Galactus si ça me permettait de faire une pause dans le tri de ses analyses sur les rayons gamma. Tout commence à se mélanger et à devenir un énorme désordre de gamma vert. Et malheureusement, mon énorme désordre de gamma vert préféré est bien trop occupé pour m'aider. Alors, je prends de nouveau la possibilité lumière. Je vous ai vu maîtriser le pouvoir d'un soleil. Je pense que vous vous en sortirez, avec ou sans Dr. Banner. C'est plus un trou blanc qu'une étoile, mais je vois l'idée. Pour autant, ce n'est pas parce que je peux absorber l'énergie gamma que je peux l'enseigner à Empire State. En plus, j'ai un mauvais pressentiment en ce moment, ok? Ça concerne surtout Bruce et vous. Je suis ce qu'on appelle une précog. J'ai des flashs de l'avenir. Je sais pas exactement comment c'est arrivé, mais je pense qu'avoir canalisé le pouvoir d'un trou blanc miniature est peut-être lié. Qu'est-ce que vous avez vu ? Rien de précis, c'est plus une impression. Bruce et vous, vos visages, vous n'aviez pas l'air en forme. Ah, c'est ça ce que subit Steven ? De nouveau la lumière. J'ai des flashs aussi, parfois. Le passé, le futur, parfois un présent différent. Nos visions n'ont peut-être pas la même origine, mais vous n'êtes pas seul. J'avais oublié que je parlais à l'être élu pendant un instant. Quoi qu'il en soit, je trouve ça réconfortant. On pourrait lancer un club de lecture pour les visions dérangeantes. Je serai toujours là si vous voulez en parler. Je vais sûrement vous prendre au mot. Mes visions sont, au mieux, chaotiques, peu nombreuses et espacées. Ça peut prendre du temps avant que je la comprenne. Ah, il faut que je me remette au boulot. J'ignore ces chiffres depuis trop longtemps. On se voit plus tard. Ok, plus 2 d'amitié, plus 2 en alignement lumière. Hunter de lumière. Les décisions de Hunter ont permis à sa lumière intérieure de s'étendre. Vous pouvez désormais l'équiper d'un nouveau collier
qui lui conférera une puissante capacité passive au combat. Continuez de gagner des points d'équilibre de lumière pour débloquer d'autres récompenses. Et équipez les colliers de Hunter. Les colliers de Hunter peuvent être équipés à tout moment en dehors des combats. Ils confèrent de puissantes récompenses passives lorsque Hunter joue certains types de cartes de combat. Ok. Ah, voilà le passif. La prochaine carte d'attaque n'est pas défaussée. Jouez 3 cartes lumineuses pour le remporter en combat. Ok. Très bien. Bon, le collier c'est plus intéressant forcément. Apparence de base, tenue de l'abbaye, tenue de combat. Ok. Requiert l'amélioration de l'armurerie. Obtenir des tatouages visage pour débloquer. Ok, on s'en fiche un peu. Très bien, le héros. Ça, c'est le passif, très bien. Ah oui, on voit l'alignement ici. On est à plus 21% de lumière. Et on voit le rapport tactique aussi. Parfait. Très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on doit encore faire sur la carte? On doit aller voir Caretaker. Et on va essayer de lancer une... J'ai des objectifs à droite. Ok. Bon, on va retourner B. Je vais essayer de lancer une mission, mais je crois que j'ai pas encore assez. Déchiffrage. Dites-moi que vous avez trouvé quelque chose. Déchiffrer la cache. Voilà. Ça, c'est la cache qu'on a récupérée. Vous voulez pleurer un bon coup ? Lisez ça. Terre de refuge commun, Wadanka. Capacité améliorée commun. Une fête d'enfer commun. Hell's Kitchen. Niveau 3. 10 informations, ça va nous permettre de lancer une nouvelle opération héroïque. Voici les priorités actuelles. Alors, on a message du shield niveau 2. Ah, elles expirent dans 4 jours, donc là, il faut plus traîner. Il en faut 8. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? S'il y avait des bleus dans notre équipe... Capacité améliorée commun, capacité améliorée commun. Mais on n'en est plus là. Un jour de délai. Mais on va faire celle-ci avec des jours de délai, on va faire celle avec 8 d'abord. Et on va aller récupérer une cache d'information pour lancer la suivante qui expire dans 4 jours. Donc c'est parti. Ah, il faut sélectionner un héros. On va envoyer... Tiens, confère surpuissance. Avec qui je ne vais pas jouer ce tour-ci. Je vais peut-être envoyer Carol Danvers. Voilà. Lancer l'opération héroïque. Dans mes cordes. Parfait. Reste là si vous avez besoin de moi. Maintenant, on va ici voir ce qu'elle nous veut. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre des cris dans la pièce d'à côté. Je me demandais si tu savais ce qui s'est passé. Il y a eu une dispute ? Nico est en colère contre toi et les Avengers. Tu devrais peut-être parler directement à Nico. Pourquoi ? Ça ne va pas ? Je n'ai pas envie de parler pour elle. Mais elle semblait fâchée à propos de Wanda. Moi aussi, j'aimerais être en deuil. Mais c'est impossible si on ne veut pas avoir à faire le deuil de la Terre tout entière. Merci pour ton honnêteté. Je vais trouver un moyen d'arranger les choses avec Nico. On reparlera plus tard. Bien. On n'a plus rien à faire ici pour le moment. On va commencer une mission. On va un petit peu regarder ce qu'on peut faire. Alors, arrêter le camion d'Hydra, facile. C'est des crédits. Réapprovisionnement, c'est une cache d'information rare. C'est difficile.
Ici, on a protégé le dispositif d'Hydra. Facile. Et on en a encore une en bas. Réapprovisionnement. Est-ce qu'on a, on a plus de trucs principaux ? Vaincre les ennemis puissants. Arrêter le camion d'Hydra. Réapprovisionnement. Tiens. Il n'y a pas de mission principale. Il est temps de payer. Ah si, mission principale. Captain Marvel n'est pas disponible. Mais ce sera pour la prochaine fois. On va faire la mission difficile, mais on va pas se mettre en héroïque, parce que sinon ça va être trop compliqué. Probablement, j'ai jamais essayé une mission difficile en héroïque. Donc on va sortir de là. On va mettre la difficulté sur normal. Voilà, on va passer en normal. Voilà. Parfait. Vérifie quand même que c'est bon. Voilà. Et on va faire la mission difficile. C'est parti. Arrêtez, non, c'est pas ça. Réapprovisionnement. Noyau gamma et cache d'informations rares. C'est parti. Difficile. Alors, récupérer le matériel d'Hydra à l'arrière des véhicules avant qu'il ne démarre. Ouais, c'est une opération où il faut le faire en un numéro de tour maximum. Défi, jouer 3 capacités améliorées. 4 éclats. Bon, ça rapporte pas grand-chose. Ok. C'est parti. Alors, Doctor Strange est obligatoire. On va la prendre, elle aussi. Il faut la prendre, donc on la prend, elle. Et alors, en 3, on va prendre quelqu'un. On va prendre Nico, puisqu'on devait faire absolument des missions avec Nico. Pour pouvoir redébloquer une nouvelle recherche. C'est parti. On continue. Alors, ça risque d'être très compliqué. Ça veut dire qu'il va falloir faire la mission en un certain nombre de tours maximum. Et donc ces missions-là, en général, sont pas faciles. Alors, il faut récupérer la cache, récupérer le matériel. Donc récupérer le matériel d'Hydra avant que le camion s'en aille. Briser la protection de l'ennemi pour accéder au camion. Utiliser la carte, récupérer le matériel. Donc il faut récupérer la carte, récupérer le matériel, mais il faut aussi éliminer le gars avec son bouclier qui va nous bloquer la route. Donc, il faudra viser spécifiquement des ennemis. Et bien... Avec tout ce qui se passe en ce moment, Hydra persiste voilà. À vouloir trafiquer des artefacts juste sous notre nez. Heureusement, on a la possibilité d'en récupérer quelques-uns aujourd'hui. C'est parti. Alors... Fixe le coup de toutes les cartes héroïques à zéro. On va attaquer le gars avec son bouclier le plus vite possible. Donc ici, faisons ça ensemble. On va essayer de choper l'artefact dès le premier tour. Ma protection perdue, on chope l'artefact. Voilà qui est fait. Et il ne nous reste plus du tout d'action. Fin de tour. Qu'est-ce qu'on peut repiocher ? Ça. Et on va faire fin de tour. Hydra contrôle la situation. Ça suffit là. C'est juste une égratignure. Allez voir quand ce sera mon tour. C'est mon moment. Encore une bonne surprise. C'est un déchu cette fois. Je raconte
peut-être n'importe quoi, mais... Et s'il était juste incompris? On est tous de mauvais poils quand on a faim. Embuscade de méchants. Un méchant attendu, une embuscade au héros. Les méchants apparaîtront occasionnellement lors des missions générales en lieu de place des renforts ordinaires. Bien qu'il puisse s'agir d'un défi inattendu, le méchant en embuscade n'a qu'une seule vis qui facilite sa neutralisation. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Récupérer le matériel. Ah ben voilà, c'est pas protégé, donc on va le prendre. Ça c'est réglé. Maintenant que les artefacts sont en sécurité, vous pourriez donner une bonne leçon à Hydra? Alors, on va essayer de s'en sortir, ce qui va être très compliqué. Renforcement, augmente l'attaque de 50%. Ça changera rien. S1, roulette, il faut 1 point. Attaque rapide, on va essayer d'en éliminer en attaque rapide, celui-là par exemple. Ça nous donnera 1 point. Ok, celui-ci pète dans ce rayon-là. L'essaim, il le tue lui. Il le tue quasiment lui. Ah non, il le tue pas lui. Il a un bouclier. Lui non plus, lui non plus. Il meurt dans l'explosion, lui non, même pas. Moi je vais le taper lui. Aucun ennemi ne peut égaler une force pareille. KO. Hey, tout va bien ? Blessure. Les héros dont la santé est faible peuvent recevoir des blessures s'ils subissent des dégâts. Soignez régulièrement vos héros, protégez-les pour éviter d'être blessés. Les blessures n'ont pas d'effet immédiat, mais les renvoyer au combat blessé a des conséquences. Ok. Légère blessure subie. Propulsion intense. Lui. Où est-ce que je pourrais l'envoyer valdinguer? On va faire B. En prendre un autre. Celui-ci. Sur lui. Pas de quartier pour les fidèles de Lilith. Il fut un temps où Lilith exigeait le meilleur de ses soucis. Apparemment, ce temps est révolu. Bien. Alors. Je vais déplacer Hunter ici. Et je vais passer mon tour. Alors, ceci. Non. Ceci. Là. Comme ça, elle est sortie d'affaire. Maintenant, on repioche ça. Il ne peut plus agir. On repioche ça. Il ne peut plus agir. Ok, technique soin. Impec. Non, il est KO, on peut pas.
Je vais attendre, j'ai pas encore besoin de soins. Par contre, il me faut un point. Qu'on faire contre. Ah ben voilà. J'espère que ça sera utile. Ça, ça peut être utile. Contre. Merci de votre sollicitude. Maintenant, j'ai réanimation. Je vais réanimer Doctor Strange. Voilà. Et je peux peut-être le guérir en même temps. Revoilà sur pied. Ah, il va y avoir un contre. Une piètre tentative. Ça, c'est bien. Il est à dans quel état, lui? On va offrir des soins à Doctor Strange. Maintenant, on va utiliser roulette. Il faut tuer celui en rouge, hein, parce qu'il soigne. Impressionnant. Fin de tour. Finissons-en. C'était désagréable. Voilà. Faut tuer celui en rouge. Hein. Il est vraiment, vraiment pénible. Je tiens à garder tous mes organes. Merci. Essayez d'amputer au moins un sur le lot. Enfant, je redoutais les fidèles de l'élite. Aujourd'hui, c'est leur instinct. Oh là là, c'est pas vrai quoi. Il est mort. Trahi l'hydra, hein? Restera le rouge. Même pour un agent d'Hydra. Lilith aurait honte d'une telle faiblesse. Je la réanime. Espérons qu'on n'aura pas à mettre ça. Et je la soigne. La voilà. Lumière est de notre côté. Voilà. Je prends une nouvelle carte. Et fin de tour. Complique, hein. Ah, oh, c'est pas vrai, quoi, encore. Ah, oh, je suis tout englué.
haleine fait encore plus de dégâts que ses poux. Contre-attaque. Ah, il va la soigner. Non, il l'a pas soigné, heureusement. Nos efforts ne servent pas à grand chose. Ok, soin sur moi. Dans la lumière. Et après, on va tenter les papiers journaux, sinon ça marche pas. Comment je pourrais faire propulsion intense, lui sur elle ou quoi, ou lui sur elle, ouais c'est ça. On va se mettre ici, non même pas, il n'y a même pas besoin. La prochaine carte d'attaque n'est pas défaussée. Gratuit. Oula, ça bouffe toutes mes actions. Non, ça je vais pas utiliser. B1. Hein. Pas faire d'erreur là sur ce coup-là. En taille rapide, non, mais propulsion. Propulsion intense. Lui. Ah non, je dois me repositionner. Je dois faire B. B. Propulsion. Je vais me positionner derrière ou quoi. Ou bien je suis propulsion intense. Ah mais tant pis. Tant pis, je vais prendre celle qui défausse une carte. Je prends le risque. J'ai pas trop le choix. Et je vais l'envoyer sur elle. J'ai pas d'autre choix parce que sinon vous ça n'ira pas. Une chance de vous en... Voilà, comme ça au moins ça va la réveiller. Lilith vous envoie à l'abattoir. J'espère que vous avez voilà fait qui est fait. Alors, en taille rapide. Ça le tuera pas, ça le tuera pas. Ça n'aura aucun effet bénéfique. Donc je vais faire B annulé. Il me reste une action. J'ai une propulsion ou bien le collier. La prochaine carte d'attaque n'est pas défaussée. Pff, ouais, mais bon, ça sert à rien. Je vais faire une propulsion peut-être. Sur l'autre, non, ça marche pas. Je vais me déplacer, je vais me déplacer, je vais me déplacer. Donc je fais B. Je me déplace ici. Je fais... Encore B. Je me déplace là. Voilà. Et je fais une propulsion. Ici de lui. Sur lui. Voilà. Je vois que les fanatiques n'ont pas beaucoup changé en ce monde. Vous allez me le payer. J'attends ça depuis longtemps. Je vais me positionner ici. Ah, je peux plus. Bon bah fin de tour. Ah non, des repioches. Je fais deux repioches. Et je fais fin de tour. Deux attaques d'affilée. Ok, voyons voir ce qu'on peut faire. On a quand même le truc électrique encore là-bas. On est tous de mauvais poils quand on a faim. Propulsion intense. Voilà, il sera étourdi, ça va déjà faire en sorte qu'il attaque pas pendant un tour. Alors, magie du sang, hâte, faiblesse et roulette sur lui. Voilà, faiblesse. Pareil que le recruteur d'Hydra, vous avez pas parlé de ça, hein. En taille rapide.
ça le tuera pas. On va faire 1 x 2 ou bien roulette. La repioche. Propulsion intense. De lui. Sur lui. Pas de quartier pour les fidèles de Lily. Voilà. C'était pas mal. Non, oh, il va le guérir, je le crois pas. Au moins, il l'a pas réveillé. Voilà. Prochain tour, il sera mort. Ce sera déjà ça de fait. Un tour. Aïe, 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 aïe. Ok, on a plusieurs soins. Cette créature se plaindrait peut-être moins si on la nourrit. Donc soin ici, sur moi. Sur moi. Dans la lumière. Ne t'attends sûrement pas. Soin sur Nico. Ah non, Nico, elle est par terre, c'est fini. Aïe aïe aïe. Bon ben. Attaque rapide sur lui pour l'achever. Voilà qui est fait. Propulsion intense de lui sur lui. C'est bien mérité. Voilà. Vous êtes dans une impasse. J'ai rien senti. J'espère que vous êtes prêts. En taille rapide, il n'y a pas trop le choix, j'ai que ça. Sur lui. Il faut espérer que Venom ne me tue pas au prochain tour. Sinon, c'est fini. Nous allons briser vos os minuscules. Mieux de ne pas sous-estimer cette créature. Aïe aïe aïe. J'espère qu'il m'a pas mis KO. Pas encore. Alors je vais me soigner. Un coup de main ne serait pas de refus. Je vais me soigner. Contemplez les bienfaits de la lumière. J'ai maintenant. Alors maintenant. Je vais tuer l'autre là-bas derrière. En taille rapide, ne le tue pas encore. Je vais d'abord l'envoyer valdinguer dans un truc. Donc je vais faire B. Je vais faire une propulsion intense de lui. Là, ah bah ça va le tuer. Voilà, ça va le tuer. Voilà. Vous n'étiez pas de taille pour ce combat. Bon, j'ai 128 points, donc je vais pas faire encore de soins. Je vais faire une propulsion. Je vais faire une propulsion de lui. Là-bas. Alors maintenant, évidemment, il met la peau symbiotique. Alors on va repiocher une carte.
et celle-ci parce que je veux pas défausser de carte. Et je fais fin de tour. Vous êtes si fragile. Tout à coup. Ah, il est chiant lui. Bon sang, mais quel genre de créature es-tu? Alors, combien de points de vie me reste? Mes organes, merci. 88, je vais me soigner. Je me soigne. La lumière est de notre côté. Je vais essayer de l'envoyer valdinguer dans un truc. Hein. Voilà. Je vais l'avoir à l'usure. Hein. Propulsion intense, 17, 17, 17, attaque propulsion, propulsion intense, voilà, je vais l'envoyer valdinguer dans un truc là-bas, dans n'importe quoi, je vais me positionner ailleurs peut-être, je vais faire B, je vais me positionner, disons, ici, est-ce que je pourrais pas le balancer dans le camion, tiens, je vais me mettre derrière lui ici. Je vais me mettre là et j'essaie de l'envoyer valdinguer dans le camion en intense. Propulsion intense. Voilà, dans le camion, là, ça va lui faire du bien, ça. Voilà. Là, il va faire sa peau symbiotique. Donc ça, si je l'attaque, je suis vu. Donc je vais pas l'attaquer. Et je vais défausser les cartes pour essayer de trouver une carte de soin. Donc je vais défausser ma carte ici. Rapide. Rapide 17. Je la défausse. J'ai une carte de soin, c'est nickel. Je la défausse. C'est parfait. Et maintenant, j'utilise ceci. Je n'ai jamais utilisé. Voilà. Une aide fortuite. Alors, est-ce que je vais me soigner ou pas? Non, je suis au maximum de ma vie. Donc, je vais simplement passer mon tour pour pas subir la peau symbiotique. Ah, j'ai subi saignement. Nous allons vous écorcher vif. Alors, sa peau symbiotique s'en va. On n'avait encore jamais frappé comme ça. Nous avons un cadeau. Voilà, là il faut se dégager de là, ça c'est très facile. Payer. On peut peut-être l'envoyer valdinguer là-dedans. Est-ce qu'on peut l'envoyer valdinguer? Je suppose que non. Hein. Déjà, je vais me soigner. Voilà. Est-ce que je peux l'envoyer? Propulsion intense, ça marche ça ou pas? Ouais, je peux l'envoyer là-dedans. Je vais le faire. Voilà. Ça va lui faire les pieds. Et faire positionner, on peut le renvoyer encore une fois dedans. Propulsion intense encore une fois. Pareil. Dedans. Voilà. Et bim. Alors on est hors de la zone d'attaque. Donc repioche. En taille rapide, on la repioche. On essaye d'avoir une carte de soin. C'est quoi qu'on a en taille plus? On repioche. On repioche la carte ici. Voilà, soin impeccable. Et on arrête le tour. Là, il va péter, mais on est hors d'atteinte. Ah, je l'ai senti passer. Alors là, on est bon. Je ne sais pas si cette créature est on se soigne tout de suite. De la pitié. Voilà, soin sur nous. C'est la force d'Hunter, c'est les soins. L'avantage est de mon côté. Et maintenant, on va utiliser la propulsion intense ici. On va l'envoyer là-dedans et c'est fini. Nous avons rempli notre mission avec succès. Oh là là, qu'est-ce que c'était difficile. C'était incroyablement difficile. Une étoile, mais je suis déjà bien content.
40 missions, plus 10 terminées en 11 tours, plus 40 vilains affrontés, moins 20 et éliminés 2, et difficulté normale plus 25%. C'était vraiment très difficile. Noyau gamma rare et cache d'information rare, 23 essences techniques. C'était très difficile comme combat à cause de l'embuscade avec Venom. On a des héros blessés aussi, 2 XP d'amitié, avancée mystique, on va voir un petit peu, mais je pense qu'on pourra plus utiliser Docteur Strange avant un certain temps. On va vérifier si on a encore des petites choses à faire après ce combat difficile. Alors il faut pas oublier aussi que on a quelqu'un qui est blessé, il faudra voir ce qu'il faut en faire. On va parler ici à Robbie. Hey Hunter, avec Parker on a mis au point un truc et on voudrait que t'en fasses partie. Enfin, si t'es dispo bien sûr. Je suis tout oui. Pourquoi pas. Parfait. Dans ce cas, rejoins-nous à l'atelier et... Ah, oups, j'ai failli gâcher la surprise. Tu sais quoi, t'as qu'à venir avec moi. Je te promets que tu le regretteras pas. Allons-y. Bon d'accord, où est-ce qu'on va? Oh, c'est pas très loin. J'ai hâte que tu vois ça. Ah oui, l'atelier il est dehors, j'y suis déjà allé. Hey, bienvenue. Je te l'avais dit. Tu veux donner le coup d'envoi ou je le fais? Je le fais. Bienvenue dans notre atelier. C'est quoi cet endroit? Ici, je me sens un peu comme à la maison. Sacrée installation. Vous y faites quoi? Oh, plein de choses. En général, je bricole la Hellride et Parker bidouille ses gadgets d'homme araignée. Et en même temps, on réfléchit à des projets en commun. Alors, pourquoi appeler ça un atelier, même si c'est traduit comme boutique? C'est ça l'atelier? Et vous faites quoi en particulier ici? Pour moi, c'est une sorte de garage. Et pour Parker, un atelier. Et on s'est dit que ce lieu pourrait également être utile. Pourquoi ne pas faire ça à la forge? Je ne comprends pas pourquoi vous ne faites pas ça dans la forge. Pour deux raisons. Tony Stark et Doctor Strange. On en a marre de leur chamaillerie. Ça met une mauvaise ambiance. Ici, on peut se concentrer sur nos projets sans avoir les deux mecs les plus intelligents de la planète sur notre dos. L'atelier, c'est notre forge à nous. Dernière question, qu'est-ce que je fais ici? Je comprends ce que vous faites, mais pourquoi m'avoir invité? Caretaker nous a dit que t'aimais inventer et fabriquer des choses. Du coup, on s'est dit qu'on pouvait bricoler ensemble. On va dire que c'est une excellente idée. C'est très gentil de votre part. Par où je commence? C'est toi qui choisis. Parker va te montrer sur quoi on travaille en ce moment, ok? Quand vous aurez terminé, on fermera l'atelier. Ça marche. Alors, voyons voir. Plutôt chouette, non? C'est pas très impressionnant, mais je tenais à te montrer notre tout premier projet. On lui a pas encore donné de nom, mais on pense qu'il te sera très utile si jamais tu retombes sur Eddie. Enfin, Venom. Quand on a combattu Eddie, ta présence a fait réagir le symbiote. Il a senti quelque chose en toi qui l'a mis en rogne. Notre projet se base sur cette information. Intéressant. Votre projet, c'est quoi au juste? Notre premier prototype masque ta présence aux yeux du symbiote. Comme ça, tu peux prendre Eddie par surprise. Donc c'est une sorte de bouclier anti-symbiote? Si on veut. L'autre prototype te sera très utile si jamais tu tombes entre les griffes d'Eddie. Il émet une impulsion subsonique qui le neutralisera suffisamment longtemps pour que tu puisses riposter. Un peu comme les pitreries que tu faisais pour le déconcentrer. On devrait vraiment faire appel à toi pour nommer nos projets. Il reste plus qu'à le miniaturiser pour le faire tenir dans ton costume. Ça pourrait se faire assez vite. Alors, ça me fait plaisir d'être de la partie. Ouais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je savais que ça allait te plaire. Oh, on va créer des objets vraiment farfelus tous les trois. Je devrais pouvoir grappiller les pièces qu'il faut pour terminer ce projet. Mais si on pouvait en avoir plus, ça nous offrirait encore plus d'options.
Je vais t'envoyer une liste sur ton Spark. Apporte tout ce que tu peux la prochaine fois. Il va falloir trouver des pièces. Découvrir les nouvelles capacités. Objet de combat, bouclier anti-symbiote. Sélectionnez un héros, il sera immunisé contre le prochain effet de statut négatif, gratuit. Protocole rusé, objet de combat, confère la capacité gratuite à deux cartes aléatoires de votre main jusqu'à ce qu'elles soient jouées ou défaussées, gratuite. Il faut que c'est une des deux. Aléatoire. On prend le bouclier anti-symbiote. Alors, c'était comment? Mieux que ce que je pensais. Trop cool. Alors, on va parler à Robbie. Voilà notre atelier. Qu'est-ce que t'en dis? C'est parfait. Vous avez fait du beau boulot. Imagine ce qu'on pourrait faire tous les trois. Je te dirai quand aura lieu le prochain atelier. L'atelier? Ouais, c'est comme ça qu'on appelle nos séances de bricolage. A plus! Ok, c'est fini. Parker, tu dois filer? Je regarde s'il n'y a rien à récupérer. Je ne vois rien, mais je vais retourner à... Atelier tenue de l'abbaye commun, atelier tenue... Ah oui, bon, on est revenu carrément ici. Je vais voir s'il y a encore des choses à récupérer, ou si on peut parler à quelqu'un. Voilà. Alors, Docteur Strange, il est blessé, on va voir un peu ce qu'il raconte. J'ai consulté beaucoup de réalités, Hunter, et je ne nous ai jamais vus combattre côte à côte. J'aime ce genre de surprise. Donc là, il n'y a plus rien, on a tout fait, il y a peut-être juste encore des crédits à récupérer. Et on va pouvoir aller dormir et mettre fin à cette journée pour en commencer une autre. Je ne vois plus rien ici non plus. Ah, si, là. 5 essences techniques. On va aller dans la chambre de toute façon pour dormir. Ah, encore un objet ici. 10 éclats. Ici encore aussi. Voilà. C'est toujours ça de prix. Hein. Ah, voilà le chien. On va le récompenser. Féliciter. C'est voilà. Bien, Charlie. 5 connaissances arcaniques. C'est bien. Oh, c'est qui le bon chien? C'est ma Charlie à moi. Alors maintenant, on va aller se coucher et on commencera une nouvelle journée dans le prochain Let's Play. On pourra ouvrir la cage d'informations rares qu'on a récupérée, qui était super difficile à récupérer. Blade m'a dit que New York était cool dans les années. Ah, là encore un objet. Les essences héroïques. Et bien voilà, on va terminer la journée ici. Et nous voici le matin. Et on consultera tous les messages. J'adorais les faire sonner quand j'étais enfant. Mais ça faisait bien longtemps que je les avais pas entendus. Caretaker doit grincer des dents en ce moment. Ou alors, c'est peut-être elle qui me fait une blague. Et donc, dans le prochain Let's Play, on ira tout décrypter et on verra ce qui est arrivé à Doctor Strange, s'il est blessé ou pas, et s'il peut encore partir au combat ou pas. Et bien voilà, je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Marvel Midnight Suns. Cette vidéo s'achève ici.
Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.